Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Nouveau vlog, mais alors là, bon il est 7h comme d'hab, mais alors là, genre c'est trop bien. À la fois j'ai genre trop bien dormi, genre vraiment un sommeil profond, j'ai jamais eu ça. Mais le réveil, genre là, ouvrez mes yeux, c'est mission impossible. C'est hardcore. J'ai qu'une envie de rester. Mais je peux pas. J'étais en train de m'endormir. Allez, c'est parti. Bon alors, je suis en train de boire mon café et tout avant de me préparer pour aller en cours. Et en gros, on doit rendre un pitch d'une idée de court-métrage. Mais alors, j'ai le syndrome de la page blanche, c'est affreux. On doit le rendre tout à l'heure, je n'ai pas écrit un mot, j'ai zéro idée. Ça me pète la race. Alors, outfit of the day, même si comme là, tout le monde s'en fout. Alors, j'ai chemise, je sais même pas d'où elle vient. Il me semble qu'elle vient de genre Emmaüs. J'ai mis mes lunettes aujourd'hui parce que l'anti, j'ai trop la flemme. T-shirt, pareil, ça doit être un truc genre basique, genre H&M. Jean, je sais même pas, ça fait super longtemps que je l'ai. Je sais pas. Converse, comme d'hab. Mes bijoux, les mêmes. Ma gueule, mes parents. Et à côté, j'ai mon tote bag. Avec tous mes nécessaires pour travailler. Donc voilà, je sais pas si c'est bien de me voir avec des lunettes comme ça. Mais vraiment, aujourd'hui, c'était les lentilles, c'était inconcevable. Et en même temps, j'ai la flemme aussi des lunettes, j'ai juste envie de rester dormir. Je sais pas, j'ai un coup de barre, mon pote. J'ai jamais vu ça. Mais il y a du soleil. Donc, je peux pas totalement me plaindre. J'aime pas mes cheveux. Voilà, donc on y go. Je suis un psy parce qu'avec mes lunettes, on dirait un psy. Bonjour. Bah, tu dois me dire comment je vais. Ça va? Bah, non, je suis là. Qui a ma belle? Ah, t'es allé à Dubaï? Ah ouais, vous savez, c'est un plaisir comme un autre. Je juge pas. Bah. Juge de ouf. La Karen Colombe. De Karen and de Colombe. Regarde le tatouage. Ah, c'est vrai, t'as un tatouage. Ah, mais il y a de la couleur. Non, c'est un petit hommage. À quoi? Parce que sa mère s'est noyée dans les vagues. Mon parrain. C'était un surfeur. Hello. Bonjour. Et tu manges des lunettes? La partie du vlog que tu regardes. Elle regarde le vlog, mais que les parties où elle est dedans. Et après, elle fait. On est en cours. Oui. On n'aime pas notre nouveau prof. Non mais tout le monde est en train de bosser. En fait, ça a créé un système social. Parce qu'on dit, ok, on a envie de ça. Ça rentre dans pas mal de choses. As-tu marché? Et c'est ça. Du coup. Au revoir. Venez, on filme Delia faire pipi. Oui, allez. Moi je l'aime bien. Ah non, même pas, parce que c'était pas moi. C'est vraiment des rageux. Vous l'aimez bien? Je peux pas les écouter. Viens, on t'attend. Non, moi j'aime pas. Aujourd'hui, moi j'ai pris un petit chocolat chaud, mais je m'écarte un peu de ce monde parce qu'ils sont vraiment cons. En plus, ils parlent de moi et ils parlent de par attraction. Ferme ta gueule. Ils pensent tous que je les aime, alors qu'ils sont vraiment tous des bouffons. Le peuple mort! Toujours, je lui dis ouais, t'es trop belle, en fait, elle est trop moche. J'ai peur. J'ai l'impression d'être grand vu que je touche le plafond. J'ai plus l'impression, moi. Ah, ta gueule, toi. Tu dis que t'es grande, c'est juste parce que t'as un chignon. Non, dans le casque. Et alors? Je filme comme ça s'il y a un accident, j'ai tout en cam. Et je peux t'amener en procès. La fin. On va chez Mamoun, la grand-mère de Maeva. Et à ce qui paraît, elle nous a préparé un plat et tout. Alors, tu t'as. Oh. Bluetooth is connected. C'est toi qui mets la musique? Bah ouais, je suis en train de faire chier. La honte. J'aime replay, Un peu longuet. Pardon, j'ai trop. Mais c'est une réduction de ma mère. On va voir Mamoun. 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 T'as aucun respect. Mais arrête. Viens nous dire ce que t'as fait. Là, le plan où elle mangeait, elle avait trop faim en fait, elle est trop faim. Elle a mangé du pain alors qu'elle en mange pas. Partir au craché, hein, toute ma life. Oui, bah c'est trop tard, t'as avalé. Hein. Ah ouais, hein. Non, mais c'était un prank apparemment. Ouais, ouais. Qu'est-ce que tu fais? Bah normalement. Dis, Siri. Oui. T'aurais été plus vite de le faire là. Et toi.
Je fais le cooking with Nathan le midi parce que ce soir je mange pas à la maison. Mais honnêtement, comme tous les midis, je me fais un truc genre super facile. Donc ça va être juste des pâtes au beurre. Parce que de toute façon, j'ai rien d'autre. Et honnêtement, j'ai trop envie de manger des pâtes au beurre. J'y ai pensé tout à l'heure. Donc pour l'instant, je fais juste chauffer de l'eau. Suite du cooking with Nathan, du coup j'ai ma casserole de pâtes. Mais d'habitude je mets un peu de crème et un peu de beurre, mais j'ai plus de crème, j'ai presque plus de beurre, c'est vraiment la déche. Oui, j'en mets beaucoup, j'adore. Voilà, et c'est ciao. Vous avez votre beurre aux pâtes. Le beurre aux pâtes, c'est ma grand-mère qui le fait. En gros, elle met plus de beurre que de pâtes, délicieux. Et je sais pas le refaire, genre c'est une recette top secrète. Du coup, je commence le vlog que je vais poster, bon bah pour vous du coup... Mais j'ai vraiment... Ah oui, donc c'est pas flou du coup. J'ai 49 minutes de plan de rush. Je dois le poster ce soir. D'habitude, je commence le montage le soir, la nuit. Mais là, j'étais vraiment fatigué hier, j'avais la flemme. Et j'ai pas commencé, du coup là, je devais commencer... Ah, ça va être long. Petite pause dans le travail. J'ai bien travaillé. Je vais me faire une petite citronnade. Mon gobelet d'eau au congèle un peu. En fait, genre, vous voyez, ça, l'eau est encore liquide, mais ça a fait genre sur les bords de la glace. Genre, vous voyez, un peu satisfaisant, ouais. Genre, ça fait de la glace comme ça, et du coup, après, hop, et ça me fait directement des glaçons. Parce qu'en fait, j'ai un bac à glaçons, mais il y a des shots de vodka dedans. Du coup, et puis bah, on les a pas finis, donc voilà, c'est pas très bon. Donc, on va prendre, enfin, je vais vous faire un tuto citronnade, mais je pense que c'est pas très compliqué non plus. Comment c'est satisfaisant de couper un citron. Ah, et là, par contre, il fait genre très chaud, c'est la clavicule à Paris, j'en peux plus. Ah, le bruit, ça me répugne. Vous avez votre citronnade. Bon, après, vous pouvez les laisser comme ça. Non, mais je fais vraiment un tuto citronnade, c'est inutile, très intéressant. Moi, je mets un poil de sugar. Oh. C'est un peu aigre. C'est fou en vrai, c'est un fruit qui donne du goût. C'est beau la nature. Mmh. C'est parfait genre. Très bon. Voilà. Bon du coup, je vais recontinuer de bosser. Et je vous retrouve après. J'ai modifié mon espace. Bon, c'est le bordel, faites pas gaffe. Mais imaginez, il n'y a pas ça. J'ai modifié. À la base, mon bureau était genre comme ça. Là, je l'ai mis là. En fait, c'est beau quand tu montes comme ça. Ça fait petit coin et tout. En fait, vu de plus loin, c'est chum de ouf. Du coup, je vais faire comme avant. Je vais mettre là. Parce qu'en gros, là, j'ai mes écrans. Sauf que. Attendez, j'ai peur qu'il. Ah oui, attendez, là, il y a plein de noms de clients. Oups. Impossible de voir. Parce qu'il y a trop de soleil, tu vois. Du coup, je vais le remettre comme avant quand j'ai emménagé. Un peu moins beau, mais c'est plus pratique pour travailler. Enfin, je vais déjà travailler et ensuite je ferai ça parce que j'ai toujours pas fini. Vas-y. Salut. Ah, ça me répond. On voit pas bien, heureusement. Ben, bonjour au vlog alors. Bonjour vlog. Bonjour vlog. Bon, arrête de filmer s'il te plaît. Bon, du coup, j'ai encore changé. J'ai mis, du coup, bah, comme je vous ai dit, mon bureau comme avant. Ça me plaît pas de ouf. En plus, on voit vraiment, genre, tous les câbles dessous. Alors que quand j'étais là, bah, ça se voyait moins. Du coup, je pense que je vais rechanger demain, mais pour ce soir, ça fera l'affaire. Et là, faut que je me prépare. Parce que je vais manger avec Maëva et Delia. On va se poser sur les quais de Seine, vu qu'il fait chaud et qu'il fait beau. Oh, regardez, il y a Timmy. Ah! Attendez, il y a ce studio de Daniel. Voilà, c'est le, en fait, c'est le chat du voisin et je l'ai appelé Timmy, je sais pas pourquoi. Donc ça lui va bien et en fait, on est devenus potes. Dès qu'il sort, je sors, c'est trop bizarre. Ou dès que je sors, il sort, genre, j'adore. Après 1001 réflexions, voilà ma tenue. Il fait très chaud en soi. Converse comme d'hab, jean, je sais même pas d'où il vient. Asos, je crois encore. Le haut, c'est un truc de Vinted. En fait, c'était sur le haut, j'étais un peu shy, mais vas-y. M'en fous. Et la sacoche, je crois, c'est. Je sais pas. Pull&Bear. Il me semble un truc comme ça. Et voilà. Du coup, j'y vais parce que je suis en retard et je prie pour que vraiment il y ait des Vélib. Parce que je sens que j'ai rien à voir. Parce que là, j'ai pas envie de prendre le métro. Bon, ça fait ma bonne chance parce que à ce moment-là, c'est la mort. Sur les Vélib à Paris. T'as pris quoi? Bon, Maëva, la meuf elle-ci, du coup, elle a pris une salade. Il faut vous êtes flou. Pris des ratons phénoménales par de la villa. Et bien sûr que oui. Fais-nous un unboxing de ton repas. Alors, j'ai pris des petits mini melons. Une petite salade un peu chaude, ma part, parce que du coup, on a marché 30 minutes. Et un petit cheesecake qui m'a coûté 2,99€ quand même. Et toi, tu as pris quoi? Eh bien, moi, j'ai pris de la malbouffe. Tout ce qui est gras, c'est ce qui me plaît. Nyam. On a pris McDo, quoi. Regardez comment c'est cutie, cuta. Et là-bas, ah bah oui, mais là je suis trop bas. Mais il y a la tour Eiffel, croyez-moi. Comme vous pouvez le voir, la vue est plus belle. Et en fait, on a changé de spot parce qu'il y avait un monsieur qui montrait son zizi entre les haies, donc. Sympa. Et qui se touchait la zézette en regardant des gens, donc potentiellement nous. Nous. Donc on a décidé de s'enfuir. Et là, on est quand même bien mieux. Par contre, le goudron, comment il est hoche. Je viens de à l'instant rentrer chez moi. Les filles sont sur le chemin du retour. Je les ai par message. C'était trop cool. Juste le moment où, gros, vous savez, le jardin des Tuileries, il est réputé pour avoir labyrinthe de buissons. Et en fait, bah, tout le monde se pose dans labyrinthe. L'été dernier, surtout en
en gros, il y a une sorte de petite mode où en fait les gens, les plus importants des hommes, s'amusent à aller dans les buissons et faire leurs petites affaires ensemble, mais dans des buissons publics. Du coup, c'est un peu chelou déjà de base. Et là, en gros, on a entendu dans le buisson d'à côté un mec. En fait, on a vu un mec tourner un peu chelou. Et d'un coup, on entend "T'es un sale pervers." Et en fait, il était dans le buisson en train de se tirer le poté, si je puis dire. C'est affreux cette expression. En regardant un groupe de potes manger, genre. Trop bizarre. Et du coup, on a changé de truc. On est allé au Quai de Seine, là où je connaissais un peu plus. Et après, du coup, j'ai couru pour avoir le dernier train, genre pour rentrer chez moi. Enfin, le train, vous m'avez compris. Parce qu'en fait, je voulais rentrer en Vélib. J'y suis allé en Vélib et je voulais rentrer en Vélib. Sauf que dans cette putain de ville, il y a jamais de Vélib. Et dès qu'il y en a, il marche pas. Là, je vais juste, honnêtement, enfin, je dois bosser un peu, prendre une douche, me poser et bosser et aller au dos. De toute façon, je vous retrouve après, comme d'habitude. Mais alors là, c'est fou. Au moment où j'éteins mes lumières et j'ai juste ma guirlande comme tous les soirs pour être genre chill. Écoutez ce que j'entends. Il s'est mis à pleuvoir, c'est genre mon temps préféré. Et du coup, il y a un courant d'air frais. Ça fait tellement du bien. Ah, genre c'est vraiment genre le truc qui peut me détendre, la pluie. Et ça me fait trop du bien et ça me fait sentir... C'est trop bizarre, mais ça me fait sentir en sécurité de ouf. Et donc j'adore dormir avec la pluie, j'adore les journées de pluie. Et même là, alors qu'il fait très bon en ce moment, et bah c'est ce que j'ai dit à des potes, j'aimerais bien qu'il... Oh, il y a mon voisin. J'aimerais bien genre qu'il pleuve, tu vois. Parce que j'adore le soleil aussi, tu vois. Genre c'est vraiment genre soleil, motivation de ouf. Et genre tu vois, en ce moment où genre je suis beaucoup chez moi et je bosse et je sors pas tant que ça, bah la pluie c'est un truc de ouf, comment j'adore ça. Mais du coup là je suis trop content parce que ça fait un air frais. J'adore, je suis trop content. C'est un... Ah, oula, on marcelle de snap. Alors, oula, comme vous pouvez l'entendre, c'est... Mais ça vient de s'arrêter à l'instant. Je me suis fait arroser la gueule parce que du coup genre, en fait j'étais dans ma salle de bain et j'entends la porte fermée. J'entends qu'il y a beaucoup de bruit de pluie et d'un coup genre je vois que tout est rentré dans mon appart. Donc là c'est trempé là-bas. Sauf que j'ai des câbles par terre et tout, donc faut que je fasse gaffe. Et j'ai fermé les volets, genre j'ai le bras trempé. Mais ah, c'est nul, c'est passé d'un coup. Je sais pas si vous avez entendu. Enfin, il y en a encore, mais c'était... Putain, c'est fou, hein. Waouh, la nature, c'est beau. Donc du coup, il est 1h37. 1h37 du sbar. Je vais me coucher super tard, du coup j'ai travaillé. Je vous souhaite du coup une excellente journée, une excellente journée, une excellente... Peu importe à quelle heure vous regardez ce vlog. Et puis bah, moi je vous dis à demain. Bazo.